Bonjour à toutes et à tous, alors nous voici aujourd'hui réunis devant le Seigneur pour unir... Ah oui non attendez, je me suis trompé de cérémonie. Non en fait, nous voici aujourd'hui présents sur Heroes of the Storm pour une ouverture de coffre. Donc, j'ai en tout 30 coffres. Donc, on va commencer par le coffre rare. Voilà. Donc, on va bien voir ce qu'on va obtenir. Alors... Ouais, de la merde, de la merde, de la merde et de la merde. Bon, tag, ouais, le tag est pas mal. Alors, Sonia la valeureuse, joue pas trop Sonia, donc c'est un peu chaud. Par contre, la voix d'Uther, c'est cool, mais j'ai un doublon. Ouais, je vais pas relancer, puisque il y a 3 éléments sur 4 que je n'ai pas. Ouais, non, si. Vous savez quoi? Je vais relancer, et on va prier pour avoir un épique. Vu que j'ai 9600 PO, ça va le faire. Allez, ah. Alors, est-ce que c'est... Ouais, là, 3 doublons, je vais relancer, clairement. Léoric, je joue carrément pas. Allez. Alors, voilà, ouais, doublon. Ouais, bon, finalement, j'aurais peut-être pas dû relancer la première fois. Par contre, j'ai une réplique avec Vala. Une réplique de Vala. On peut l'écouter. Voilà, ok. Un skin pour Exar. Bon, même ma foi. Mieux que rien. Allez, on va ouvrir les 29 coffres restants. Ouais, aucun doublon. Ah cool, l'étendard Zerg, il est vachement joli. Franchement, j'aime beaucoup. Tatouage Luzei. Donc, Brightwing. Hein. Et votre flamme vacille, réplique commune. Votre flamme vacille. Pour Arthas. Une bannière de Tracer, on va garder ça. Alors, oh, un épique. Alors, Kelta Cyberfaucon épique. C'est bon ça. Alors j'ai 2 doublons et 50 cristaux qui viendront s'ajouter. On va l'accepter puisque bon, le skin épique, je vais le conserver. Ouais. Alors, un skin rare pour Lunara. Ouais, Lunara, j'ai joué 2-3 fois. C'est un perso sympa. J'aime beaucoup sa mobilité. Repack d'émoticônes de TC, c'est plutôt cool. Pack in Memoriam. Ouais, j'aime encore bien. Et le crayonnage de chaîne. Plutôt cool. Alors. Ok. On va ouvrir les pourris. Ah, ok. Ça j'avais déjà. Réplique commune, fallait pas me chercher. Fallait pas me chercher, gamin. Et oui, de notre ami. Oh là là, j'ai oublié son nom maintenant. Le nain, enfin soit. Et pour chaîne. Il faut croire que c'est vous l'espèce menacée. Ok. Ah, voilà. Et un modèle pour Léoric, mais que j'avais déjà. Alors. Oh, légendaire. Alors, une belle bannière. Des émoticônes de Medivh. Ils sont sympas avec des émoticônes animés, je pense. Et je vous traquerai. Réplique de Rexar. Ok, alors ici, légendaire. Légendaire. Oh, lieutenant Morales, sauf que je l'avais déjà. C'est ballot, hein. Mais je vais quand même le garder parce que ça me fait 400 cristaux ici, donc je vais pouvoir acheter des items. Alors, ok, on a au moins quelque chose d'épique. Oh, modèle rare de Tyrande, mais que j'ai déjà. Pack de Ticus que j'avais déjà, bannière d'Overwatch Azure, je ne l'avais pas. En modèle épique, ah, lieutenant Morales, ok, bah je vais le garder, puisque je n'avais pas ce modèle. Le bon rôle principal sur Heroes of the Storm, c'est support. Même si là, hier et avant-hier, j'ai farmé Liming, parce qu'elle était level 1, donc maintenant elle est quasi level 10. Bon là, il n'y a pas grand-chose. Des packs d'icônes pour Léoric, pour Thrall, ça valait largement le coup. Ça valait largement le coup. Ok, petite réplique de notre ami Gazleux. Et un modèle... ah non, Asmodan, ah cool. Mais je l'avais pas Asmodan, donc voilà. J'ai Asmodan en héros, c'est toujours cool. Ok, pas grand chose ici. Ah. Tout le monde ne mérite pas de vivre, réplique de Morales. Ok, pack de Gristet, donc émoticône de Gristet, émoticône Uther, et Dekara chef de meute, modèle rare, ok. Donc, un modèle pour Dekara, c'est toujours ça de prix.
Ok, donc 3, un classique, ok. Donc ça je l'avais déjà pour la victoire. Voilà, petite réplique de Falstad, et voilà ce qui doit être. Voir ce qui doit être vu. Maintenant, tu peux voir ce qui doit être vu. Alors, c'est soit une réplique de Shaw ou soit une réplique de Gal. Je sais pas lequel des deux parle là, mais bon. Alors, Sonya en tenue Kourou écarlate. Ok, donc petit skin de Sonya avec le skin T2 du guerrier sur World of Warcraft, si je ne m'abuse. Mais pas les couleurs, hein, juste le skin. Alors là, de la merde. Alors, réplique de Illidan. Ok. pack d'émoticônes de Ticus. Et ici, ok, un modèle pour Chromie. Ah, c'est Chroming? Bah non, c'est Chromie normalement. Enfin, soit. Dites-vous qu'elle est toujours level 1, je n'ai jamais joué. Ce sera le prochain, mon prochain perso que je vais monter. Ah, au moins un épique. Ok, une réplique de Vala. À moi, la vengeance. Ok, une réplique de Variant. Ok, et la réplique de Nazibo, on s'en fout, j'avais déjà. Ah, l'Uzai. Ok, sauf que je l'ai déjà. C'est con. Alors, de la merde. Réplique de Jaina. Servi froid, exactement comme j'aime. Eh ouais, et les vautours feront un bon repas, réplique de Sonya. Les vautours feront un bon repas ce soir. Petit pack d'émoticônes de Raynor. Et modèle rare pour le boucher. Ok. Alors, émoticône Zagara, bannière du féticheur, dessin de Nazibo que j'avais déjà. Et ah, modèle pour les vikings, vikings du futur, oh, c'est plutôt cool. Pareil, les vikings, j'ai dû les jouer une fois, vraiment pas un perso que j'aime bien. Ok, petite réplique de Ticus. Émoticône de Gul'dan et de Malfurion. Et un modèle pour Shen. Une bannière, pack sergent marteau, mauvais tour. Ah ben ça c'est chaud, l'autre c'est égal tout à l'heure. Ok, donc genre la team rocket plus rapide que l'éclair. Et ici, ah, étendard bannière ambré. Ouais, sauf que je l'avais déjà. C'est ballot. Ok, que de la merde. Je vais peut-être relancer. Ah, quoique non, j'ai un seul doublon. Tag mère, tag commun. On les assaisonne de... On les assaisonne. Raynor. Et la vengeance venue d'en haut de Falstad. La vengeance venue d'en haut. Ok. Alors, 13 coffres. On n'est pas très chanceux pour le moment. Hein. Des cristaux. Lieutenant Marteau. Sergent Marteau. Modèle rare pour l'Uzai, on va le prendre. L'Uzai, un perso que j'aime beaucoup. Même si elle a bien été nerf, ok, un épique. Petite bannière de Deva. Fallait pas me chercher, on l'a eu tout à l'heure. Et portrait de gobelin. Là, ok, gaz-le, chapiteau vert. Très bien, on va le garder. Alors. Un modèle pour Kael'thas. Ok, j'ai deux doublons. On va relancer. Oui, hop. Eh ben, on a que de la merde. Ouais, que des voix. Vous savez quoi? On va relancer. On va bien voir. Ouais, bon. Là, je vais plus relancer parce que 750, ça commence à faire cher. Alors, une petite réplique de Medivh. Le dénouement est proche. Et petite réplique de Raynor. C'est Jimmy. Jim Raynor. Pack d'émoticônes Illidan et un étendard. De la merde. Ok, un doublon. La moindre difficulté, c'est qui ça? C'est Alarak. Personne n'a donc la moindre difficulté à m'opposer. Lieutenant Morales. Ou sergent, je sais plus, enfin soit. Et Régard. Je pense que Régard c'est le perso que j'ai le plus farmé, il doit être niveau 47 là maintenant.
Mais avant la refonte des niveaux, il était niveau, bah, niveau 20. Si je ne dis pas de bêtises. Anubarak, ok, un modèle pour Anubarak. Fais tes prières. Fais tes prières et vite. Petite réplique de Jaina et un crayonné de gazeleux. Ah, héros épique, sauf que je l'ai déjà. C'est ballot. Non, on va accepter quand même. Ça me fait des petits bidules ici. Ok, boucher, modèle rare, un doublon. Hop, on va écouter. Sublime. D'accord. Pff, ouais. C'est pas exceptionnel, mais c'est toujours ça de prix. Alors. Ok, petite réplique de Sonia. Qui appartient à Sonia d'Arogat. Et une petite réplique de Nova. Ok. Et des cristaux. C'est pas fou, hein. On va relancer. Oh, ben voilà, j'ai bien fait de relancer. Alors, petite réplique de Bourbi. Voilà. Et petite réplique de Jaina. Je le sens bien. Alors, on va voir ce qu'on a là. Légendaire. Oh, Tralbrizam, légendaire. Cool. Un beau skin. Six coffres. Alors, Shando Illidan. Ouais, c'est pas mal, il est pas mal ce skin. Alors, portrait de Kelta Cyberfaucon. Petite réplique de Jaina, mais on l'avait déjà. Et pack de Nova. Donc, pack d'émoticônes. On les garde. 5 coffres, il nous reste. Il en a que de la merde. Dont un doublon. Vous savez quoi, on va relancer. On va quand même écouter les répliques. Oh, l'apocalypse est proche. Et ici. Exactement comme je l'imaginais. Mais on va relancer. Petit tag, ok, oula, 3 doublons. Là on va relancer clairement. Auriel, Archange, GKA, quoique. Non, on va le garder pour le skin d'Auriel. Que je ne l'ai pas. Ah. Ok, alors le massacre va commencer. Je l'ai déjà. Petite réplique de Zul'jin. Des cristaux. Ah, Chromie, génie des rêves. Ok, bon, on va garder. C'est la petite Chromie comme ça. Elle est sexy. Alors. D'accord, des cristaux. Donc, Anubarak. Très bien. Ixul. Une oreille de plus pour ma collection. D'accord. Et ici, Shogal, corrupteur perdu dans le temps, un skin pour notre ami Shogal. Ok. Bah oui, moi je veux bien. Mais quand ça passe-t-il? Ah, voilà. Non, on a fallu du temps, dis donc. Alors, ouais, rien d'extraordinaire ici. On va relancer, hein, parce qu'on a deux packs d'icônes et laissez-moi réfléchir des gazeux. Ouais, on va relancer. Bon, c'est déjà un peu mieux. Donc un pack de, d'émoticônes de Ragnaros. Ah, un turbo d'un jour. Un skin pour Karazim. Pas mal. Et un skin pour Sylvanas. On va le garder. Plus intéressant. Et le dernier coffre. Boum. Alors. Petite réplique de Lucio. Et Alarak au Seigneur Émeraude. J'aime pas Alarak, vous savez quoi, on va relancer. Hop. Alors, une bannière, deux bannières, un tag et Lucio. Ah, ça par contre je vais garder. Alors, je n'ai plus de coffre. Ça c'est ballot. 410 gemmes. Non, je ne peux même pas acheter, c'est pas grave. Donc nous allons voir ce que nous avons obtenu. Donc nous avons obtenu un héros qui était lui Asmodan. Donc voici Asmodan, c'est lui qu'on a obtenu. C'est pas exceptionnel, mais bon voilà. Nous avons obtenu 22 modèles, donc un modèle sur Anubarak. Alors. Sur Anubarak, c'était lequel?
Ah, voilà, c'était le roi des profondeurs, c'était celui-ci. Un modèle sur Auriel, c'était celui-ci, Archange Écarlate. Un modèle sur Shen, c'était celui-ci, Vagabond Crassi. Un modèle sur Cho'Gall, c'était celui-là, Corrupteur perdu dans le temps. Deux modèles sur Chromie, donc celui-ci et celui-là. Les deux ici. Un modèle sur Dekara, qui était le chef de meute, donc pas le plus joli. Un modèle sur Gazle, c'était celui-ci si je ne m'abuse. Voilà, Gazle du grand chapiteau vert. Un modèle sur Illidan, qui était Shando. Un modèle sur Kel'Thas, qui était Kel'Thas Cyberfaucon. Un modèle sur Kurazim. Alors, Karazim, c'était un bleu, voilà, c'était celui-là, Patriarche doré. Deux modèles sur le boucher. Alors, on a eu celui-ci, le boucher de fer, et le bourreau, classique. Les vikings, nous avons celui-ci, perdu dans le temps, et j'avais déjà perdu en pyjama. Lieutenant Morales, nous avons eu ceci, docteur de l'amour toxique. Alors pour Lucie on a eu celui-là, amphibie de chromé. Lusei on a eu, si je ne m'abuse, hop, alors il est où je ne sais plus. Ça doit être celui-là je pense. Dragon de Fae Onyx si je ne dis pas de bêtises. Enfin j'en avais déjà beaucoup hein, sur Lusei. Alors sur Lunara, nous avons eu. Hop, non pas celui-là. Celui-ci, Sentinelle de sang. Qui était joli je trouve. Qui est joli d'ailleurs. Rexar, non. Celui-ci, Seigneur des Tranchantes, carrément badass. Pour Sonia, voilà le skin T2, guerrier dont je vous parlais. Mais nous on a eu celui-ci, donc le même skin mais couleur différente. Alors Sylvanas, moi j'adorais le Sylvanas forestier, je l'avais acheté à l'époque. Alors nous avons ici Général des Forestiers des Terres Fantômes, Thrall, on a eu le Brisame, carrément badass. Plus de modèles, alors 11 bannières, donc une dans Warcraft. Celle-ci, Étendard de la Horde Ambrée, bannière Proto-Saur, bannière Terran. Et voilà celle-ci, l'étendard de Zer'Kaldir, elle est tellement belle. Diablo, bannière de Fetisher, bannière de Fetisher Kramazi, et l'étendard de Sorcière Ambrée. Et pour Overwatch, bannière emblématique de Deva, bannière emblématique de Genji, bannière de Tracer et bannière emblématique et bannière d'Overwatch Azure, pardon. Alors les tags, on en a eu de Warcraft, les deux ici, Terre-Mer et Bataille. Et stylisé, nous avons eu, qu'avons-nous eu, crayonné de Gazlo, crayonné de Shen, ainsi que tatouage de Lusei. Alors nous avons eu 30 répliques, une d'Alarak, une d'Anumarak, une d'Auriel, une de Bobby, une de Shen, une de Cho, une de Gal, deux de Falstad, une de Gazlo, une d'Illidan, deux de Jaina, une de Joanna, une de Kate, deux de Morales, une de Medivh, une de Muradin, deux de Rainer, une de Rhaegar, une de Rexor, une de Marto, une de Sonia, une de Tychus, deux de Vala, une de Varian, une de Xul, une oreille de plus, une oreille de plus. Alors, et en émoticônes, hop, des émoticônes, nous en avons eu 9 au total de Warcraft. Hop, pack de Ragnaros, j'aime beaucoup.
Pack de Thrall aussi. Thrall est un de mes persos favoris dans l'univers Warcraft avec Zul'jin. Zul'jin, moi je le trouve tellement badass. Alors chez Diablo, on en a une ici pour le pack Léoric. Et dans Divers, on a les deux packs ici. Et ensuite deux portraits seulement, crayonné de la Horde, crayonné de Gobelin. Et super pouvoir crayonné de Keltas. Sur ce, j'espère que cette ouverture de coffre vous a plu. C'était Faco, alias Facouille, et je rends l'antenne. Et je vous dis à la prochaine. Peace.